Bonjour à tous, nous allons procéder à la commémoration du 8 mai. Ouvrez le banc. Nous allons procéder au dépôt de gerbes de la FNACA. De mémoire et avenir citoyen. Du conseil municipal. Sonnerie au drapeau. Lecture du message du ministre. Messieurs, dames, journée nationale du 8 mai 2021, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Par deux fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérances et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont eu fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriant, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Couffrat, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc.
regardait déjà vers Strasbourg, excusez-moi. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardue, ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté requise. Je vous remercie. Allocution de Frédéric Besset, maire de Saint-Léves-des-Saints. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout comme je l'ai fait il y a 10 jours, ici même lors de la journée de la déportation, la commémoration de la journée de la déportation, je vous remercie de votre présence devant votre écran, dans un contexte sanitaire qui nous empêche encore de nous réunir correctement, mais c'est quelques semaines encore seulement, et nous reviendrons à nos rassemblements habituels et à nos commémorations. Alors ce jour est surtout, bien entendu, le 8 mai, le jour de la cérémonie de commémoration de la victoire de 1945, mais je ne peux pas éviter d'évoquer demain, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe, ainsi qu'après-demain, qui est la commémoration de l'abolition de l'esclavage de 1848. En fait, ces trois événements sont liés, et j'aimerais le redire. Premièrement, c'est bien sûr le 76e anniversaire du 8 mai 1945, ça vient d'être évoqué dans le discours de la ministre, la fin des conflits de la Seconde Guerre mondiale. Alors la double capitulation allemande, le 8 mai, mais le conflit, comme vous le savez, a continué encore jusqu'en août 1945 et il a fallu 2 bombes atomiques en Extrême-Orient, au Japon, pour provoquer la reddition de ce pays. Au niveau global, le bilan inimaginable du conflit est toujours impensable. C'est 75 millions de morts, dont 50 millions de civils, des destructions humaines et matérielles innombrables. On a souvent dit que la Première Guerre mondiale a représenté le suicide de l'Europe. C'est pour ça que la citation de la ministre, bien connue, est importante à redire, c'est-à-dire les civilisations qui se savent maintenant mortelles. Mais on peut considérer que la Deuxième Guerre mondiale était une tentative de suicide de l'humanité. J'évoque ici les pertes dont je viens de parler, mais aussi la pratique de la déportation massive qui a touché 40 millions de personnes, ainsi que leur extermination industrielle pour une grande partie d'entre elles. Pourtant, on pensait l'esclavage aboli, et notamment en France depuis 1848. C'est pour cela que je voudrais dire un mot sur la commémoration d'après-demain, le 10 mai, qui commémore cette abolition définitive, puisque vous le savez, c'est d'actualité également. Napoléon Bonaparte avait supprimé l'abolition de 1794, mais ça n'a pas duré. Et je dois aussi vous dire que cette année 2021 marque les 20 ans de la loi qui a été votée à l'unanimité par le Parlement en 2001 et qui déclarait que l'esclavage est aussi un crime contre l'humanité. Alors, troisième date, aujourd'hui c'est le 8 mai, demain ce sera la journée de l'Europe, le 9 mai, puisque ce choix de jour correspond à la déclaration de Robert Schuman de 1950, considéré comme le grand discours fondateur de l'Union européenne. Robert Schuman qui était le ministre français des Affaires étrangères, qui avait rédigé son texte avec Jean Monnet, également passé à la postérité.
Et on voit bien que le 8 mai et le 9 mai sont liés, puisque dans la déclaration de Robert Schuman, il est bien rappelé à la mesure des dangers qui la menacent, la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. Et il ajoute, l'Europe n'avait pas été faite, nous avons eu la guerre. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que la construction européenne a limité, j'ai bien dit limité, les risques de conflits sur le continent, voire les a supprimés, mais seulement entre les principaux adversaires d'hier. Pourtant, il serait naïf d'oublier les drames vécus à nos portes, les conditions dramatiques de l'explosion de l'ex-Yougoslavie dans les années 1990, ou plus récemment les conflits en Crimée ou au Haut-Karabakh. Plus loin, mais pas si loin, on peut citer le Moyen-Orient ou la mer de Chine comme lieu d'inquiétude majeure. Et partout, nous avons le risque terroriste ainsi que les conséquences potentiellement violentes d'un dérèglement climatique et sanitaire. Ainsi donc, et j'en termine, nous sommes appelés en permanence à la citoyenneté dans toutes ses dimensions. Premièrement, notre devoir de mémoire partagé avec les plus jeunes. Deuxièmement, la tolérance, une grande tolérance dans le respect des convictions de chacun. Mais troisièmement, une grande vigilance pour éviter tout dérapage dans les expressions et dans les actes. Je vous remercie. Sonnerie aux morts. Procéder à une minute de silence. Je vous remercie. La Marseillaise. Je vous souhaite un agréable 8 mai, un bon week-end et prenez soin de vous. Merci, au revoir.